Pour dire le vrai, j'en veux infiniment moins à Rima Hassan, qui fait très bien son job, qu'à ceux qui la tolèrent, qu'à ceux qui ont fait que le parti antisémite auquel elle appartient, et qui l'a choisi justement en raison de ce qu'elle est, et qui a d'une certaine manière réussi son pari démographique, a été accepté par une partie de la classe politique. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt de pardonner ce qu'a fait le parti du centre, ce qu'a fait une partie de la droite, qui a préféré le parti antisémite au RN. J'avais déjà du mal, beaucoup de mal, à vous dire le vrai, à ce renvoi dos à dos entre l'un et l'autre. Mais là, ce qui s'est passé il y a 15 jours, où réellement des gens de droite se sont effacés pour faire passer des gens du parti antisémite, alors même que, je vais vous dire, je vais les pieds dans le plat, je n'ai pas vu beaucoup le CRIF se battre dans la semaine en question pour hurler contre l'escroquerie des désistements. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas vu la communauté dite organisée ruée dans les brancards par rapport à cette infamie totale. Et arrivée des courses, eh bien, vous avez quand même si c'était une majorité toute relative, une majorité à laquelle appartient le parti antisémite de Rima Hassan. Donc mon stock de méchanceté est important, mais il est limité, donc je le garde pour ceux qui ont pactisé avec Madame Hassan.